Ça va piquer. Ça va faire mal. Vous allez souffrir. Vous allez être solidaire. Vous allez être courageux. Ça, c'est le minimum. Flexion. Touchez. Ça, c'est la base. Serre fort, fort, fort. Traverse, traverse, traverse. On est des tueurs, mais des tueurs froids. Alors ça, on a vous devez être chute, les gars. Ici, c'est une couveuse, hein. C'est vraiment un endroit où on va vous booster. Entièrement. Que demain, vous puissiez éclore et que vous puissiez arriver au plus haut niveau. C'est la ligne de front, là. Pas tout seul, t'as les 15 gondes avec toi qui sont là, qui vont se battre à tes côtés pour gagner, pour marquer. C'est le plus beau sport du monde. 70% des gens qui sont sortis ici ont signé un contrat professionnel. T'as beaucoup appris, t'as beaucoup évolué de façon positive. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus physiques que nous. Ouais. C'est sûr, je préférerais m'entraîner contre le 15 que d'aller à l'école, mais... Quel est l'objectif de chaque joueur qui rentre ici? C'est demain porter le maillot de l'équipe de France. C'est un rêve, quoi. Situé à Marcoussis depuis 2002, le Centre National du Rugby est le fief de la Fédération Française de Rugby et du mythique 15 de France. Mais derrière cette vitrine de prestige se trouve le Pôle France, une structure de formation méconnue du grand public et qui constitue la dernière étape de formation au haut niveau jeune. Nous sommes le 16 août 2010, premier jour de la pré-rentrée pour les stagiaires sélectionnés par la Direction Technique Nationale. Durant 15 jours, ils vont apprendre à se connaître et à découvrir les membres de l'encadrement. 15 jours déterminants pour les 8 mois à venir. Leur objectif est clair. Durant les 8 mois que va durer la formation, ils devront faire leurs preuves pour être sélectionnés en équipe de France des moins de 19 ans et pourquoi pas être surclassés en moins de 20 ans avec un tournoi destination et une coupe du monde à la fin de l'année. Voici leur histoire. Bonjour et bienvenue. Donc je me présente, Gérald Bastide, je suis l'entraîneur au pôle depuis la troisième année. Voilà. Donc comme moi je ne vous connais pas trop particulièrement, et j'aime bien ça, d'avoir pas d'avis, comme ça j'ai pas de, on me dit pas t'es lui c'est un tel, il avait déjà fait ça. Moi j'aime bien découvrir au fur et à mesure. Donc déjà je vais découvrir à part que ce soit Clément ou Vincent que j'avais eu l'an dernier. Je vais vous découvrir un par un ici là. Voilà, donc on démarre par l'alphabétique. Faut ou non, comme ça. Alexandre Darien, troisième ligne à la Bourgogne. Guéraud Pierre, seconde ligne, Perpignan. Alors, c'est déjà par le bras gauche, voilà. Recule un petit peu, parfait. Carl Château, troisième ligne, et je joue à Toulouse. Dorian Frésia, première ligne au RCT. Même chose de côté. Avec les mains sur les cuisses. Charles Fidin de Joue Talonneur à Massy. Sébastien Tanfifenia, première ligne à Perpignan. Premier couchard, demi-mêlée, Perpignan. Il y en a qui sont à Perpignan, j'ai entendu 4, c'est ça? Voilà, mais il n'y en avait peut-être pas autant. Alors moi, j'ai joué un petit peu là-bas, il y a très longtemps. J'ai encore mes racines là-bas, donc je suis content parce que l'année dernière, il n'y en avait pas et cette année, j'ai fait le forcing pour qu'il y en ait 4. Alors, vous avez une mission quand même, c'est de me ravitailler en rousquille. Peut-être pas toutes les semaines. Il y en a qui savent ce que c'est? Oui. Oui, d'accord, voilà. Donc on s'arrangera, on mettra un petit truc en place. C'est pas de drogue, hein, vous inquiétez pas, c'est juste un petit truc entre nous. C'est juste une petite drogue pour les Catalans. Voilà. Petit biscuit nappé de sucre glace. La rousquille est une spécialité catalane. Le ton est donné, le rugby est un sport de région. Mais si c'est bien le rugby du Sud qui produit la part prépondérante de l'élite française,
ces jeunes stagiaires rugbymen ont été détectés dans toute la France, dans une seule catégorie d'âge. En fait, nous, on ne prend qu'une tranche d'âge, c'est les moins de 19 ans. Et sur cette tranche d'âge des moins de 19 ans, il y a à peu près, 5 000, 10 000 joueurs en France. On en prend 26. Ce soir, les shorts sont interdits au restaurant. Ok. Bermuda ou Bermuda Nike ou le survêtement. On a des joueurs qui viennent vraiment de tous les clubs. Notre intérêt à nous, c'est de valoriser la performance individuelle et de détecter le potentiel individuel de chaque joueur pour les équipes de France et pour la grande équipe de France. T'arrives ici, tu te dis, voilà, c'est bon, j'ai réussi à atteindre déjà un premier objectif. Cet objectif, c'est un objectif qui va me permettre peut-être d'exploser. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire presque... pas un rêve, parce que le rêve, c'est d'atteindre le plus haut niveau. Mais donc, c'est-à-dire, c'est le début d'un rêve. C'est le début d'un rêve, donc c'est vraiment énorme. Voilà, vous ramassez les plastiques, vous mettez les plastiques dans les cartons, vous rangez les cartons. 3 minutes, c'est rangé. Le Pôle France est une formule sport-études qui s'inscrit dans une logique de valorisation de la performance individuelle. Chaque stagiaire aura sa propre chambre pour toute l'année. Quand on découvre la chambre, tout ça, quand on récupère les affaires, je sais pas, ça fait quelque chose. Ça... on se dit que c'est nous et pas quelqu'un d'autre et qu'il y a plein de monde qui rêverait d'être là et on savoure. Et comme ça, tiens le poids. Ouais, pareil. J'aime pas le poids, hein. J'aime pas le poids. Ah bon. Quelle belle vue. C'est quand même magnifique. On est bien là. J'aurais jamais pensé, un jour présenter le pays, c'est quelque chose de fantastique. Voilà, chaque membre du Pôle France est maintenant équipé de la tête aux pieds pour démarrer les choses sérieuses. Mais à l'écart des terrains, au centre médical, Tom va connaître sa première déception. Il s'est blessé légèrement à la cuisse lors d'un match dans son club 2 jours avant d'intégrer le centre national du rugby. Toujours par rapport à l'ischio. Ouais. Nicolas Barizien, le médecin du Pôle, ne peut pas le laisser suivre le premier entraînement. Il est déjà blessé, non ? Non, c'est la première fois. Ouais. Ouais. C'était 2 contractions, enfin, j'avais une contracture. Quoi. Résultat du test ylocinétique qu'on avait fait, t'as les 2 ischios, droit et gauche, qui sont un petit peu... Quand ça, j'en ai fait ? Flappy, au mois de mai. Ah, ouais. C'est la machine de flexion-extension de genou. Ouais. Hein. Donc on avait vu qu'ils sont un peu faiblards des deux côtés. Situé à l'arrière de la cuisse et permettant la flexion du genou, les ischios jambiers sont les muscles qui sont soumis aux blessures les plus fréquentes dans le rugby de haut niveau. Sur le terrain, Tom joue avec le numéro 9, celui du demi de mêlée. Ce poste lui demande beaucoup d'agilité et de vivacité avec des changements de direction, des sauts, des réceptions ou des courses en zigzag. Tom sait que durant cette année de rugby intensif, ce genre de blessure risque de revenir fréquemment. Ok. Ça roule, tu peux y aller. Donc tu continues par précaution à échauffer les ischios. Avant de mettre à corps. Avant le tube, avant la muscu et avant le rugby pendant encore une bonne semaine. D'accord. Et de toute façon, tu vas faire partie de ceux qui vont intégrer un renforcement spécifique des ischios pendant le début de saison. D'accord. Hein? Ok. Merci. Très bien. Allez, bon courage. Merci. Je dis droite, gauche, passe à droite et on va à gauche. Ok, face gauche. D'accord, très bien. Maintenant, mon but à moi, c'est d'essayer de vider une colonne. Et votre but à vous, c'est que les colonnes, elles ne se vident pas. On y va, allez, c'est parti. Face, jeu, intensité 2. J'étais sur le bord du terrain pour le premier entraînement, c'est à la fois... la découverte des entraîneurs, la première impression est toujours importante et démarrer à regarder les autres, c'était une frustration. Être un peu à l'écart d'entrée, mais bon, ça a duré qu'un entraînement et demi, je crois, ou 2 entraînements, une journée, et après le lendemain j'ai repris, donc ça allait. Bien, ça, voilà. Il y a de la maîtrise, il y a de la lucidité. Gauche, droite. Oui, beaucoup mieux ça. Hop là, beaucoup mieux.
Là, on a vu des gens vigilants. Quand ils finissaient, hop, de suite, ils regardaient gauche-droite. Il y avait des mecs qui se comptaient. Un, deux, trois dans la colonne. Ils appelaient, hop, il en manque un derrière. Et là, on a pu s'organiser. Et ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Et face, face. Mon rôle ici, c'est de développer droite, face. Et de renforcer le potentiel des joueurs qui arrivent. Voilà. Maîtrisez vos émotions. Restez lucides. On a un an, entre guillemets, pour améliorer ça au maximum, puisque là, ils vont être quasiment en internat ou comme dans une structure professionnelle, ils vont s'entraîner quasiment deux fois par jour en rugby, deux fois par jour en musculation. Donc le but ici, c'est de développer le potentiel physique, le potentiel rugbystique, et en même temps entretenir quand même des valeurs humaines. Restez lucide. Je vais vite en bas, je suis clair dans la tête. Si ce stage de pré-rentrée est l'occasion de former le groupe, la plupart des joueurs se connaissent déjà. Ensemble, ils ont connu les sélections en équipe de France en moins de 16, 17 et 18 ans, avec avant chaque compétition une préparation spécifique à Marcoussis. 4 mois avant d'intégrer le pôle, ils ont remporté le championnat d'Europe des moins de 18 ans en battant l'Italie 27-3. Leurs aventures rugbystiques intenses avec des résultats à la clé ont créé des liens étroits. C'est pas Andrew qui était avec une judokate. Et toi aussi, Jeanne. Tu vois, elle est mignonne. Ouais, elle est bien. Du tout. Elle est pas mignonne, elle est bien. Ouais. Et toi, elle est comment la tienne? Trop bonne. Elle est pas mieux que Laetitia. Ben, on a une promo. Elle est intéressante, je pense. On s'entend tous bien. On est tous des amis. On a fait quelques résultats. Je pense qu'on verra dans l'année, suivant les matchs qu'on fait. Ça peut être intéressant. Vous avez aujourd'hui comme outil de travail et comme outil d'entraînement le plus beau centre d'entraînement, j'allais dire, du monde. 7 secondes pour arriver. C'est tout à fait prétentieux, mais quand je vois que les Sud-Africains viennent nous voir, que les Néo-Zélandais viennent nous voir, que les Australiens viennent nous voir, que les Anglais, encore Rob Andrew et l'entraîneur Johnson, viennent nous voir. Pour avoir les mêmes, ou voir comment on s'organise, ou pour avoir les mêmes structures, je me disais que vraiment on peut être fier de l'endroit où on est. T'arrives ici déjà, bon, ça faisait pas la première fois, vu qu'avant de partir à chaque tournée, chaque tournoi, on vient ici, donc on connaît un peu, mais c'est vraiment énorme. Vous avez été à la pistoche hier ou pas? Et vous avez fait des bombes ou pas des bombes? Non, pas de bombes? On arrive ici, on voit toutes ces structures, tous ces gens qui sont là pour nous, qui sont des gens compétents. Donc, on est sur le cul un peu, on arrive ici, on a du mal à réaliser. On se dit non, ça, c'est une tournée un peu comme les précédentes et tout, et puis les jours passent, et on se dit merde, c'est vrai, j'y suis maintenant pour de bon. Je suis là, c'est bon, j'ai réussi à rentrer à Marcoussis, je vais atteindre le plus haut niveau. Enfin, je vais atteindre le plus haut niveau. Je vais essayer d'atteindre le plus haut niveau, Donc c'est ça qui nous motive encore chaque jour. Allez-y, ça c'est bon. Oui, engage ton pied, voilà, là. Je pousse un peu, je le mets au sol et je fais ça. D'accord? Mon copain, il prend le ballon et on enchaîne. Ça roule? Allez, c'est parti. Vous en faites 6 chacun. Je veux de l'explosivité au sol. La seule chose qu'il y a à voir, c'est explosif au sol. Explosif. Le seul mot, c'est explosif. Hey, c'est très bien. Mettez ton ballon à 2 mètres. Vite actif. Oui. On insiste sur la notion de double projet. Donc vous avez un projet sportif qui est très important et un projet scolaire, professionnel ou de formation qui est aussi très, très important. 70% des gens qui sont sortis ici, d'ici, ont signé un contrat professionnel. D'accord? Dans les 2 ans qui suivaient. La professionnalisation du rugby survenue en 1995 attire chaque année un nombre important de jeunes et fait naître encore plus de vocations. Pour Jean-Claude Scrella, le directeur technique national, les dangers sont bien réels. Christophe a dit qu'il y en a 60-70% qui ont signé des contrats professionnels, il y en a 30% qui n'ont rien signé. Et il y en a, ils sont chômeurs et il y en a, ils ne bossent pas aujourd'hui. Parce qu'ils ont tout mis sur le rugby. Tout.
Ils ont tout calé sur le rugby, ils pensaient qu'en arrivant ici, ils allaient être Goldorak et en avant. Sauf que, j'en croise aujourd'hui. J'en croise aujourd'hui. Ils sont pas bien, hein. Allez, eh bien, si vous êtes là, le Pôle France, c'est ça. Ce n'est pas que jouer au rugby, que penser que demain, vous allez être professionnel et qu'à 30 ans, vous ne savez pas ce que vous allez faire de vos mains ou de votre tête. Non. Tout s'apprend. Tout. Le rythme, c'est très bien. Parfait. C'est celui qui le réussit le mieux pour l'instant. Vous êtes l'élite de votre génération. Il ne faut pas que vous... Et vous avez dû parler avec des copains à vous. C'est dur, oui, c'est dur. Sauf que on vous donne un maximum de chances de réussir. Et moi, je ne voudrais pas que vous réussissiez rien que dans le domaine rugby. Tant mieux si vous réussissez dans le domaine rugby. Mais il y a tout ce qu'il y a avec le domaine rugby qui est important et qui vous fera être meilleur. Je vous promets qu'il vous fera être meilleur. Au contact, vous allez vous gainer abdos plus mâchoire. Allez, c'est parti. Voilà, une ou trois secondes pour lâcher. On va la prendre avec du. Ça va. Elle était gentille, hein. Tu l'as pas fini la tarte encore. C'est encore un. Ah ben oui, à chaque fois, il faut mettre une tarte quand même. Juste, tu veux juste entendre ce que tu dis, comment tu le dis. Et la contraction du corps. Vas-y. Voilà. Voilà. Ouais, là, j'ai ouvert. Est-ce que vous sentez le. Rien que dans le son de la voix, on sent qu'à l'intérieur, ça devient du béton. Voilà. Et chaque fois qu'on va être en match, chaque fois qu'on va jouer des duels, quand on va roquer, quand on va venir plaquer, impacter les mecs, si on est dur comme ça, comme vous allez l'être au fur et à mesure, on va les fracasser. Et comme c'est un sport de combat quand même, celui qui a la meilleure armure fracasse l'autre. Et l'objectif, c'est qu'on fracasse les autres, dans les règles. On peut s'entraîner sur le terrain physiquement, mais aussi on peut s'entraîner, et c'est tout aussi important, on peut s'entraîner mentalement. En relation avec l'imagerie mentale, on est capable, en relation avec les vidéos, et en combinant l'imagerie mentale, la vidéo... plus le ressenti qu'ils ont sur le terrain, on est capable de continuer à s'entraîner dans sa tête. Mais s'entraîner dans sa tête, c'est continuer à s'entraîner. Et pour ça, Christian Ramos, qui intervient avec nous, qui est notre préparateur mental, qui suit les joueurs, qui intervient tout au long de l'année, leur donne encore une capacité de s'entraîner mieux, même quand on est blessé. Et mentalement, faire l'effort de revenir sur les exercices vécus. Et je revis mentalement cette sensation de dur, sensation de gainage au niveau des abdos. Bas, dur, serré. Je perçois la détente jusqu'au bout de mes doigts. J'expire longuement en sentant mon ventre qui se creuse. Je me pastille. Chez nous, quand même, dans le rugby, pendant 50 ans, dès qu'on voyait un psychologue ou un préparateur mental, on s'enfuyait en courant, ou alors le gars, il passait jamais la porte du vestiaire, c'était pas possible. Hein ? Il y a eu des essais il y a 10 ans, 15 ans, tout le monde se marrait dans le vestiaire, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est incontournable. On a compris enfin dans le rugby que c'était incontournable. Et que la performance, elle venait autant de la compétence technique que de la motivation qu'on pouvait avoir. Jeu ! Sur le ballon, sur le ballon. La motivation. Maître mot pour ces 27 stagiaires, ils ont 8 mois pour faire leurs preuves et se battre pour faire partie des 15 titulaires de l'équipe de France des moins de 19 ans. Cette sélection nationale devra affronter la fameuse équipe d'Angleterre et celle de l'Irlande en fin d'année. Ce sera l'objectif principal de chaque joueur du Pôle France. Ton prénom c'est Kélian. Bien, t'as vu là, t'as attendu. T'as été patient. Et d'un seul coup, vloum, ça surgit, t'as accéléré, t'es venu sur la balle. Et résultat, tu marques. Extra celui-là. Parfait. Deux. Trouve une espace. Pousse. Voilà.
Si pour le grand public, le rugby est perçu comme un sport aux règles complexes, ses fervents défenseurs mettent en avant des valeurs telles que fraternité, respect de l'autre ou esprit d'équipe. Et quand je lis aux adversaires, c'est bon. Et pour tous, c'est d'abord et avant tout un sport collectif d'engagement physique. Ben, le rugby, c'est un sport d'homme. C'est un sport de combat, il faut être endurci quand même. On ne peut pas se permettre, si on est trop lâché, c'est pas possible. Parce qu'on peut vite prendre un mauvais coup. Vas-y, pousse-moi comme une merde. Voilà. Si je suis comme ça, tu vas gagner. D'accord ? Mets-toi en face. Voilà, viens. D'accord. Il faut avoir un esprit guerrier, avoir envie de clairement troncher le mec d'en face. Sinon, on n'y arrive pas. La différence, elle est là. Elle est uniquement dans l'état d'esprit. C'est pour ça que là, je vous dis qu'il faut combattre, qu'il faut mettre de l'impulsion, qu'il faut être dynamique sur 2-3 appuis. Parce que si on fait ça, peu importe qui on est, mais aussi graillard qu'il peut être, si je vais bien viser les hanches, et si c'est moi qui déclenche, et si je bataille, c'est moi qui le crève. C'est moi qui le crève. Parce que là, je suis où ? Ouais, c'est la ligne de front, là. C'est la ligne de front et c'est là où il y a le ballon. Et là où il y a le ballon, c'est là où les mecs, absolument, ils veulent nous le prendre. Et bien nous, si on est là, les premiers qui arrivent, il faut le déglinguer. Voilà. Je crois que cette promotion-là, c'est une promotion où les joueurs ont une grosse capacité d'analyse. Voilà, une grosse capacité d'analyse et d'anticipation. Et je pense que c'est l'une des... On va dire, ouais, c'est l'une des équipes les plus averties là-dessus. Voilà. Et dans le futur, je pense qu'elle est capable d'analyser le jeu de l'adversaire de façon très pointue et qu'elle est capable de s'organiser très rapidement. Maintenant, faudra voir tout cela quand on va jouer l'Irlande, quand on va jouer l'Angleterre. Mais c'est vrai qu'en termes de, on va dire, d'intelligence, c'est l'une des meilleures promotions qu'on ait pu avoir. Avant de faire leur rentrée officielle, dans 8 jours à Marcoussis, en présence de leurs parents, tous les élèves de la promotion se retrouvent au cœur du Massif Central, en Haute-Loire, dans la petite ville du Chambon-sur-Lignon. Ils sont là pour un stage de cohésion où ils vont vivre un raid de plusieurs jours en pleine nature avant de rencontrer l'équipe de jeunes de Clermont-Ferrand, dans la ville du Puy-en-Velay. Merci. Ça va ? L'enfant ? Ça va, plaît-il. Bienvenue à Chambon. Bienvenue. Et là, il y a une équipe de hand et une équipe de musiciens. D'accord, il n'y a pas d'équipe de filles. C'est pas en fille. Non, garçon. Ah, bon, garçon. Et c'est l'occasion, en sortant un petit peu du cadre rugby, d'apprendre à se connaître. Que les joueurs apprennent peut-être à se connaître entre eux s'ils ne se connaissaient pas, j'irais suffisamment de par les sélections chez les équipes de France jeunes qu'ils ont pu connaître. Et puis pour nous, encadrement, apprendre à connaître les joueurs, à vivre avec, voir un petit peu les personnalités des uns et des autres. Waouh ! Ça me rappelle la guerre, c'est la guerre du Vietnam. Non, bon, moi je veux différer du tout. Hein. Oui, je prends. Ouais, on reste 3 jours. Alors, c'est la guerre. Hein. Donc on n'est pas une colonie de vacances. Les futurs joueurs pro qui sont en stage. Il y a encore du bordel le soir, 6h du matin on court, tous les matins. Claire, il fait jour, il n'y a aucun problème. Histoire de se mettre rapidement dans le bain, Jean-Luc Arnaud, le préparateur physique du 15 de France, venu spécialement pour l'occasion, donne les règles du jeu. À 12h15, quand vous descendez, vous avez tous fait un sac qui montera directement où vous allez peut-être dormir ce soir. Caleçon de rechange, chaussettes de rechange, obligatoire. Je peux voir un mec demain matin qui ne change pas ses chaussettes. D'accord ? Les pieds, c'est primordial. Les pieds, les dents, le cul, c'est tout. Si on se lave pas sous les bras, c'est pas grave. D'accord. Ouais. Pas de téléphone, pas d'iPhone, pas d'iPad, 3, 4, 5, 6, je sais pas les numéros, je suis pas là-dedans. Je trouve un téléphone, ou un des mecs des staff trouve un téléphone dans un sac à dos, 6 heures tout le matin. L'âge de pierre. Ok ? En termes de communication. L'âge de pierre. Ils vont partir pour 2 jours de course d'orientation, de VTT et de raft avec une nuit à la Belle Étoile. Une vraie première pour la majorité d'entre eux. Il a pas mis ses affaires de rechange. Ah, moi, tes affaires. Je te les affaires. Rechange. Le rechange de caleçon et tout. Mais vous prenez un sac, vous prenez combien ? Oui, mais vous m'en quoi ? Mais t'as rien écouté, toi ? Bah ouais. Et on n'aura pas le droit aux appareils électroniques. Je te vois dans 2 jours.
Tirez-vous tout droit. Votre objectif, il est simple, vous l'avez en face de vous, la montagne qui est là-bas au fond. Ce soir, vous devez être là-haut, 1753 mètres, c'est votre objectif. Si vous êtes arrivé là-haut, vous pourrez dormir, boire et manger. Il y en a qui prend le PQ. J'ai la trousse de secours. Quelqu'un prend le PQ? Moi j'en ai déjà dans mon sac. Parce que le PQ c'est le. Et les sandwichs sont où? La montagne elle est là-bas. Les VTT sont entre ici et la montagne. Ce soir on va demain les gars. Pour le moment c'est tout droit. C'est 23 km, tout le monde a fait oh c'est pas énorme. Ouais, pas bon. 23 km comme ça. Ouais. Faut arriver à la D157. Ouais voilà. Après on la suit jusqu'à la gare et après on. Ce stage, ça nous permet de connaître les joueurs dans la difficulté, dans leur esprit d'équipe ou pas, dans la capacité à surpasser ou pas. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Vous allez avoir une carte, une boussole. Ouais. Vous allez avoir du matériel de réparation. Voilà. Alors. Donc le raid en soi, à la limite, on s'en fiche. Par contre, qu'est-ce qui permet de découvrir, ça c'est hyper intéressant. Et là on voit un peu les gars qui ont vraiment la moelle, quoi. Ceux qui ont envie d'aller au bout, ceux qui sont des leaders, ceux qui amènent les autres, ou alors ceux qui sont un peu des suiveurs ou qui passent leur temps à râler. Oh, ça monte, ça va dedans. Ah, c'est bon. Oui. Le choix du Chambon-sur-Lignon ne s'est pas fait par hasard. C'est ici que la Fédération française de rugby va organiser le stage de préparation de la grande équipe de France pour la Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Les stagiaires du Pôle France ne le savent pas encore, mais ils vont tester grandeur nature la viabilité du projet qui attend leurs idoles. Ah, c'est un sac là. C'était une aventure humaine parce que, enfin, je sais pas, on n'a jamais presque vécu ça, des vrais raids comme ça sur deux jours avec que des amis, à la fois rigolé, à la fois fatigué, un peu marre, à la fois un peu de toutes les émotions. Mais vraiment, c'était une expérience à vivre que je me rappelle tout le temps. Impressionnant quand on voyait des premières lignes là, qui font 15 kilos sur le vélo et qui s'y filaient, c'était... C'était vraiment beau. C'était la guerre, hein, c'était ce raid. Ouais, à un moment donné, j'ai essayé de faire une côte, j'ai fini les deux jambes raides comme ça, je me suis étalé dans le fossé, bon, c'était bien marrant sur le coup. Mais quand tu peux plus, tu peux plus. Donc c'était vraiment quelque chose de très très rude. Mais ça soude un groupe, ça fait de... En fait, c'est le Pôle France aussi, c'est beaucoup la formation des hommes. La formation, il faut qu'on devienne un homme. Dans un environnement inhabituel pour eux, les jeunes rugbymen vont devoir se dépasser et faire preuve de cohésion. Épreuve physique et mentale dont l'objectif premier est la préparation du match qui les attend dans 3 jours contre les espoirs de Montferrand. Ça, on s'encourage, comme on dit. Ça monte tout le long. Honnêtement, je sais pas dire là-dessus si ça monte ou pas. Après, ça peut pas que monter comme ça, quoi. C'est quoi ça? C'est combien? Je sais pas ce que t'en penses, hein. Ouais, là, il faut monter le sentier. Encore un sourire. Vite d'un médecin. Ah vrai? Bon, il déconne pas en plus. Bon, lève-toi. Chute pas comme ça quand tu tombes dans les pommes. Oh, il part. Mais tu sais, on dirait un enfant infant. Il a du mal à se mettre sur les quatre pattes. Bambi, on va t'appeler. Bambi, fais-le-moi. Les cuisses sont refaites. Oh, j'ai des bouts de bois à la place.
Allez, 40, c'est parti. Et on s'arrête pas. C'est comme si on n'avait pas à faire ce sport, tu vois. Non, le haut, t'as pas travaillé le haut. Je suis désolé, t'as pas travaillé le haut. 40. Salut, salut, salut. C'est la fin de la journée, mais les festivités ne s'arrêtent pas là. Une dernière épreuve de tyrolienne attend les participants avant de pouvoir passer une nuit à la Belle Étoile. La météo ne s'annonce pas forcément bonne pour la nuit qu'ils vont passer dehors. Tous les moyens sont bons pour parer à l'éventualité d'un orage. Non, vas-y, on se disperse. Non. On tire le chacal là-dedans. Alexandre décide de prendre les choses en main. Les machines qui font. Bonjour. Bonjour. Alors là, on se présente, on est une équipe de rugby en stage de cohésion. Ouais. Et en fait, on vient de faire un raid et ce soir, on est censé dormir dans la plaine là-bas, enfin, sur la prairie. Il y a un refuge un peu plus loin là. Ouais, on d'accord. Dort devant le refuge en fait. Ah ouais, d'accord. Et en fait, c'est pour savoir si en cas de pluie ou si ça vous dérange pas du tout, si jamais on peut dormir dans votre hangar. Oui, si jamais il pleut, oui. Oui, je fermerai pas clé, ouais. Et c'est pour savoir si. Vous avez un robinet ou quelque chose comme ça. Pour pouvoir prendre une douche. Ouais, vous voulez que j'aille vous faire voir. Ouais, on va si vous avez le temps, hein, si vous... Ouais, ben c'est minute, toi. Ok, ouais. Merci. Ouais. Je vais me participer, si je peux être à hauteur d'initiative, tout ça, mais je vais pas non plus à tout prix. Enfin, déjà, il y a déjà des leaders dans le groupe. Mais après, moi, si quand il faut participer ou quoi, je suis volontaire. C'est un truc pour se lever. Ouais, on peut dormir dans cette allée, là. Ouais, il y a pas de vache, quoi. Il y a un robinet d'eau là, quoi. Ouais, le chercheur. J'ai pas l'habitude d'aller demander si je peux me doucher, je suis un paysan, mais. Du bon, voilà, on était respectueux, tout ça, il nous aurait dit non, mais ça pouvait apporter au groupe, et bon, lui, ça l'a pas dérangé, donc tant mieux, quoi. Hé, regarde où ils sont, Jean-Luc. Ils sont allés à la ferme là-bas, ils ont demandé au mec, et ils sont en train de se laver au jet à l'eau froide. Ils sont tous à poil dans la grange là-bas. Ils sont à poil complet, hein. Sans déconner, ils sont là-bas devant la ferme, tu pleures de rire. C'est l'amour est dans le pré, c'est là, voilà, c'est ici. C'est la faillite sur l'île, on s'est au mésin. Elle est froide, mais elle se fait du bien. Ah, ça va. Ah, mais toi, elle est pas chaude. Non, du cachet. Au refuge, chaque chef d'équipe doit raconter sa journée. Tâche mûrement réfléchie par les coachs qui obligent les jeunes à prendre la parole devant le groupe. Ça a commencé comme tout le monde, mais on a cherché les vélos. C'est plutôt des bien débrouillés sur l'histoire. On a réussi à rester solidaire, on est resté 6 sur le début, malgré une cote monumentale d'entrée. Après, c'est bon. Ensuite, le groupe s'est divisé. On a été 3 derrière, 3 devant. Enfin, ils m'attendaient du moins. Jusqu'au village. Après le village, une bonne petite descente où je crois que je suis le seul à m'être cassé la gueule. Les coachs ont pu me croiser dans un ravin allongé. Après, j'ai fini tout seul à tirer mon vélo parce que je pouvais plus monter dessus. Et voilà, fin de l'histoire. Donc, on est super bien partis. Tranchant, on était bien tranchant et tout. J'ai arrivé jusqu'au village, où là on a décidé de se remettre 10 bornes. Tranquillement, voilà, on était fringants, on avait plein les cannes. Donc c'est super bonnard. Après, donc voilà, on a du tout remonté en voiture. Et voilà. Bravo.
Donc après votre ère pour pouvoir dormir, fabuleuse, de l'espace, ceux qui rompent peuvent se mettre au sud là-bas, donc le champ. C'est là où vous dormez. Mais c'est quoi le truc que tu fais ? Pour un stage de cohésion, ouais, c'était bien, c'est sympa, c'était marrant parce qu'il pleuvait, donc ça nous a bien rigolé quand même, parce que c'était bon art. À peine remis de leur courte nuit, les stagiaires du pôle vont maintenant affronter une épreuve de raft qui démarre à pied. Ils vont devoir porter leur embarcation sur 2 km avant de pouvoir enfin naviguer. Chacun sa méthode de portage. On remet sur l'épaule et après l'épaule on passe à poignet. 1, 2, 3, 4. Allez. Attendu. C'est bon, on y est. Alors, gagne les derniers mètres. Bien, bon, on gagnera sur nous. Ils vont vouloir partir vite, les gars, ils vont faire n'importe quoi. Nous, on est ensemble, on peut gagner ensemble. Faites coordonner. On fait un rythme. À 1, on met la pagaie dans l'eau, à 2, on tire. 1, 2, 1, 2. Vous avez prévu les coachs, c'était exprès pour nous former le mental. 1, 2, 1, 2. Ils m'ont montré qu'il ne faut jamais lâcher et toujours se battre jusqu'au bout. 2 journées les plus intenses de toute ma vie. J'avais jamais fait autant de vélo de ma vie, jamais autant couru de ma vie, jamais autant ramé de ma vie. Et bien, le petit tambour. Vous avez fini ? Ici, là ? Le joueur de rugby, lui, est toujours enfermé dans son petit confort. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il fait toujours les mêmes efforts, qu'il connaît la réalité du rugby. Mais dès qu'on nous sort du terrain, là, du rectangle, là, dès qu'on nous sort de là et qu'on nous met sur un vélo, quand on fait 110 kilos ou 120 kilos, et qu'il faut monter des côtes comme ça... Et vous avez rien pour vous changer, là ? Non. Quand on dort dehors, quand on dort et qu'il fait froid, et qu'il faut se doucher à l'eau froide, ça, c'est quelque chose qui vous met en difficulté. Et là, on voit les tempéraments ressortir. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur le running bike, il va falloir que... vous avez plusieurs stratégies. Hein. C'est où vous pouvez rester tous ensemble, moi, ce que je vous conseille. Parce que là, vous allez avoir 4 vélos et il y a 2 bonhommes qui vont courir. Donc, il va falloir que vous restiez ensemble et que vous échangez vos vélos assez rapidement. Préparez-vous à prendre le vélo. Allez, bon courage! Ultime épreuve du raid, le run and bike. 3 vélos pour 5 dans un temps chronométré. Si, on arrête le chrono là! On est là! Chrono là! 6, 6. Vous êtes tous là ? 6, 6. Vous êtes tous 6, 6. Là ? Yeah, les gars ! Dans le pur état d'esprit du rugby, les membres de l'équipe encadrante, entraîneurs, médecins, kinés et préparateurs physiques, ont voulu participer à la compétition à leur manière. Vous êtes complet ou pas ? Non, on n'est que 3. Non, on n'est que 3. Félicitations, dommage. C'était bien joué, mais il faut finir à 5. Bien joué. Très bien, très bien. Bon, allez, ceux qui ne sont pas complets... Et c'est vrai qu'on avait fait un groupe staff, parce qu'on voulait montrer qu'on partageait aussi la compétition, qu'on savait se dépasser. Nous, dans le staff, on est des anciens joueurs où on a l'esprit au moins de compétition.
Et quand ton boss te fait battre par un bedonnant, un vieux et deux chauves, putain, le chemin quand même, ça quand même. Et leur montrer que finalement, en ayant peut-être des fois des qualités un peu moindres que nos adversaires, on peut peut-être par une meilleure cohésion d'équipe, par une meilleure stratégie, arriver à des performances meilleures. Et bon, on s'en est, du coup, on s'en est pas trop trop mal sorti. Bon petit balai, poulet. Le stage de cohésion s'achève. Les membres du Pôle France constituent maintenant officiellement l'équipe de France des moins de 19 ans. Dans deux jours, ils rencontreront les espoirs des moins de 20 ans du club de Montferrand au Puy-en-Velay pour leur premier match de la saison. À Tens, sur le terrain Jomazo, les entraînements ont repris, poste par poste. Beaucoup mieux, c'est bon. Très serré les boucliers, très serré. Philippe Agostini est l'entraîneur officiel des avants de la sélection française des moins de 19 ans. Il a rejoint le groupe le matin même. On tombe pas, on a le cul plus bas que les épaules. On est bien dur. Bas, serré, à l'impact. Et c'est deux équipes fortes, c'est ça? C'est deux équipes fortes. Ah bah là, oui, oui. T'as la sélection française. Mais c'est une chance de les voir ici, quand même. Ah, tu vois, ils s'entraînent au mêlée, là-bas. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Reprise d'appui. Restez stable. Restez stable. On reste stable. On reste stable. Équilibré. On est en prise d'appui. On est bien. Les avances, ce sont des gens qui jouent très près les uns des autres. Cette proximité de la règle, ça a aussi du sens par rapport à la proximité qu'ils ont de vivre entre eux. Un arrière, un trois quarts, il peut être bon tout seul par un exploit personnel. Un avant, c'est très rare. Bon, allez, stop, les discours maintenant, à l'action, attention, à l'action. Allez, flexion, touchez. Mais maintenant, on va fermer sa gueule et on va s'y filer. Tu recules pas, tu fais reculer. Flexion. Touché. Stop. Entrez. On maintient l'équilibre. Maintient. Il n'y a rien à prouver encore, les gars. Rien à prouver. La tension de l'avant-match commence à se faire sentir, car chacun veut maintenant obtenir sa place de titulaire. Attention. Et voilà. Et Philippe Agostini reste vigilant pour canaliser les ardeurs de chacun. Allez, où c'est que ça a claqué, là? C'est moi. Bon, c'est pas un pilar. C'est un partenaire d'entraînement. D'accord? T'as non, c'est moi. Ok, ouais, ok. Hein, ça arrive. Hein, et tu vas pas gagner ta place contre lui. Ils sont capables d'aller loin. Dans la quantité d'entraînement, ils sont capables de se dépasser, ils sont capables d'accepter des choses fortes, des contraintes fortes. Et ça, c'est aussi du bonheur. Quoi. C'est aussi du bonheur quand t'es coach. Attention les gars, concentrez, pas de panique. Flexion. Touché. Stop. Entrez. Maintien. On est équilibré, il va y avoir du poids les gars. Vas-y. Allez, Juju. Attends, Juju. On est stable. Encore. On est bien, on reste. Encore, on maintient équilibré. Ça va, tu sors, Juju. Carbou avance. Ça va. Stop. C'est bon, les gars, c'est bien. Bien, les gars. Bien bossé. Bien. C'est les premières, les gars. Première mêlée de la saison aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait des tensions, c'est normal qu'il y ait un peu de mal dans les épaules et dans les côtelettes. Hein, c'est bien, c'est bon pour ce soir. Là. C'est bien, les gars. Au collège Sévenol, Gérald Bastide et Philippe Agostini ont laissé la main aux joueurs pour définir eux-mêmes les objectifs de match et la stratégie à mettre en place pour les atteindre. Réponse à mettre en place une autre réponse. L'occasion pour les deux entraîneurs d'observer la place que prend chacun dans le groupe. Allez,
lancer de chaque. Tu mets de qualité entre. Et là, tu voudrais marquer. À la 20ème, il faudrait au moins marquer. Essai. Oui, c'est bon, c'est bon. Avec 3 essais, on se dit, ça doit marquer un tous les 20 minutes. C'est clair. Non, là, c'est pas ça. Là, c'est pas ça. Si tu trouves, si tu prends les toits là, après là, t'as plus qu'à. T'as plus des essais là, tu marques plus les points. Si on en met deux d'entrée. Ouais, on a droit à l'erreur. Attends, si on marque ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 essais. On met deux d'entrée. C'est-à-dire deux pénalités. Donc l'objectif c'est 4 essais au maximum. 5 essais. D'accord. Bien. Alors l'objectif c'est de se dire est-ce que ça c'est réalisable ou ça l'est pas. C'est sûr qu'on a des ambitions et c'est une bonne chose. Et les seuls éléments qui nous manquent pour répondre vraiment à cette question, c'est qu'on ne se connaît pas vraiment. Je ne sais pas si on sait vraiment ce qu'on veut ensemble. Et on ne sait surtout pas ce que voit l'équipe de Clermont. En vrai. Il ne faut pas sous-estimer Clermont, mais si on est tous là, c'est qu'il y a des raisons et qu'on peut avoir de l'ambition. Sinon. Ça fait beaucoup quand même, c'est important de faire participer pour. Un des objectifs, c'est qu'on forme des hommes avant tout. Et donc dans la formation des hommes, il y a quand même cette notion d'autonomie, de responsabilité, de prendre les devants, d'avoir une démarche volontaire tout au long de leur carrière. Voilà, donc ça c'est de prendre les devants et de rendre les hommes ou les joueurs plus autonomes, plus responsables. Bien. Combien vous avez évalué à la rigueur qui est réalisable pour quasiment une grande partie du groupe, ou presque tout le groupe ? 4. Ça semble judicieux ? Donc, bien, 4. Donc, nous là-dessus, 4 essais, ça nous va. Un par carton. Très bien. 3 minimum, 5 optimal, voire peut-être plus. Maintenant, nous, il nous semble que le joker, il faut se le filer ici, sur les 20 premières minutes. D'accord ? En se disant que peut-être on remplira l'objectif, certainement, peut-être on ne le remplira pas. Mais si on ne le remplit pas, eh bien, on sait que derrière, peut-être, on foutra d'autres essais. Voilà. OK ? Bon, les gros, vous avez la tranche comme les. Ça va encore ? Bambi Fenua qui a besoin de prendre l'air, je crois. Tu veux. Ouais, allez, on coupe un peu quand même. Sinon, attention pour celle-là, ça va. Après une semaine passée à Marcoussis et suite au stage de cohésion, Gérald a maintenant assez d'éléments pour constituer son équipe. Avec ce premier match de la saison, il va pouvoir évaluer ses ouailles dans un contexte de compétition. Et commencer à réfléchir à l'équipe type pour affronter l'Angleterre et l'Irlande dans 8 mois. La rencontre amicale entre l'équipe de France des moins de 19 ans et les jeunes du club de l'ASM Clermont-Auvergne va se dérouler au Puy-en-Velay, préfecture de la Haute-Loire. Pour les joueurs auvergnats, l'enjeu est de taille. Ils ont 2 ans de plus que les membres du pôle et certains d'entre eux n'avaient pas été retenus lors des tests de sélection à Marcoussis. Ça, c'est... Ben, engage les deux. Maintiens. Placha, replace, en place. Replace. En place. Changez de zone. Allez, allez vers la communication. Oui, bien. Mieux cette vague. Mieux. On a choisi de jouer à l'ASM. Pourquoi ? Parce que, un, c'était... proche, une ville proche de l'endroit où on était en stage, et deux, en prenant des joueurs de 2 ans de plus, ça nous permet de réduire un peu le décalage qu'il peut y avoir entre une sélection nationale et une équipe de club. Serre les bras, Casu, serre les bras! Et ça permet déjà de percevoir l'état d'esprit des joueurs, la capacité de la cohésion qu'il y a eu. Voilà, le premier match, c'est de savoir d'où on part et vers où on va. Pierre a été choisi pour être le capitaine de l'équipe. Premier match de la saison, avec des gars avec qui on a souffert, on en a chié, on en a vraiment. Comme c'était pas permis, on n'en pouvait plus et tout ça. Et là, t'as qu'une seule envie, c'est de rentrer sur le terrain et te battre encore plus avec eux et de gagner. Soyez vide là. Soyez la crème là. On avait un peu tout donné au stage. Donc c'était vraiment surtout sur le fait qu'il fallait jouer avec nos réserves et avec tout, donner tout ce qui nous restait, quoi. Les mecs, ils veulent notre place. C'est normal. Enfin, ils vont jouer à ce qui se fait de plus ou moins, plus ou mieux en France à notre âge. Donc pour eux, c'est un véritable test. Si
pouvait nous tuer, quoi, il le ferait, quoi. On avait quand même le coq sur le cœur, quoi, on représentait quand même l'équipe de France. Donc c'était un match qu'il fallait assurer quand même, fallait pas passer pour des rigolos. Ça se voit, vous êtes prêts, on a bien bossé collectivement, on a mis encore plus d'efforts techniquement, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait comment on y va, on sait avec quelle valeur, voilà. Il n'y a plus qu'à se régaler, il n'y a plus qu'à se régaler. 4 minutes. Allez, on se réunit, à tous. Bon, les gars, comme on a pu se le dire entre gros, les gars, on va vous le dire aux trois quarts là. Ce match, il a tout sauf quelque chose d'amical. Tout. Ce type, il va vouloir nous défoncer. Sur tous les impacts. Sur tous les impacts. Il ne va pas nous faire de cadeau. Ça tombe bien, nous non plus, les gars. Encore moins. Les petits premières minutes, on leur met la guerre. La guerre, les gars. Ça permet de me transcender, je sais que ça transcende certains gars, parce qu'il y en a d'autres, on n'a pas besoin de les transcender, il y en a sur qui tu vas devoir gueuler pour les transcender, il y en a qui tu vas leur mettre des baffes pour pouvoir les mettre dans le match, et tout comme ça. Ce qu'ils vont nous proposer, on leur met le double. Enfin, c'est, j'ai envie de dire, c'est un autre moi qui parle, en fait, hein, à ce moment-là, c'est la partie qui va rentrer sur le terrain, qui va tout lâcher pour ses potes, qui essaie de les transcender, les mettre au même point que moi, et d'entrer et tout casser, en fait. C'est l'aventure qui commence, les gars. Ça reprend à zéro, là. Tout ça, c'est un nouveau groupe. C'est l'aventure qui commence, les gars. Entre nous, aujourd'hui. Commençons sur une bonne note. On est ensemble, un nouveau groupe. Un groupe de 28, les gars. Allez. Allez, vous pouvez y aller. Allez. Moi je me mets à leur place. Quand tu sais que tu joues l'équipe de France, tu te dis voilà, les mecs sur le papier sont soi-disant les 27 meilleurs de leur âge. Moi je vais leur montrer que je suis meilleur. Enfin, moi c'est comme ça qu'on voilà. Donc à partir de là, on était sûr que les mecs ils allaient être présents dans le combat, qu'ils allaient être prêts dans leur match. Regarde où il sort. Même si le match n'a pas très bien démarré pour eux, les joueurs de l'équipe de France vont quand même réussir à marquer un essai. La tentative de transformation pourrait leur permettre de reprendre l'avantage. Mais le tir de Clément passe à droite des poteaux. Contre le vent, pas bien placé. Et c'est transformé juste avant la mi-temps. L'ASM mène 13-5. On est quand même droit à un joker. Vous buvez et vous récupérez. Voilà. Pas un mot. Vous buvez et vous récupérez. Levez les tronches, hein, levez les tronches. Non. Après. Bon, il récupère. Vous avez permuté. Au début de partie, c'est pas la bonne chose. Ferme. Bien, sur les objectifs, on avait dit un essai dans les 20 premières minutes, on l'a mis. D'accord ?
un essai dans les autres. On ne l'a pas mis. C'est joker. Il se peut maintenant qu'on en mette encore deux dans les autres, dans la mi-temps. Donc rien. Rien n'est perdu. Tout est à gagner. Tout est à gagner, on va avoir le vent. D'accord, maintenant, on va avoir le vent. Et petit à petit, on va les grignoter. Chaque fois qu'on a eu le ballon, on est dangereux. Ok? Donc continuons à jouer ces zones libres. Moins un, moins deux. Chaque fois qu'on a fait ça, on a avancé. On va y arriver, vous allez y arriver, c'est sûr. Voilà, maintenant, il faut être bien déterminé, bien concentré sur le jeu qu'on veut mettre. Et ça va le faire. Voilà. Allez, régalez-vous. Allez, Pierrot, à toi. Les gars, il y a 5 à 11. On a le bon compte, on n'a pas rougir dans la première mi-temps. La deuxième, on y retourne entrer. On continue, on n'a pas pression comme ça. Si vous avez la guerre, on continue. Quelqu'un vigilant. Bien défendu, Fabrice, bien défendu. Darly, pas si loin, pas si loin. C'est vraiment bien sur les nettoyages. Joue encore ! Encore ! Où est l'espace ? Où est l'espace ? C'est bien. En place de là, Étienne, voilà, bien. Oh putain, qui porte le ballon. Oui, bien joué. Ça va passer. Et franchement, le premier match en moins 19, ça faisait quelque chose. Hein. Tout le monde avait le cœur à 100 à l'heure. Et bien le choix du jeu. C'était un élément important de la saison pour voir où on en était, qui valait quoi. Il nous l'a fait tout le temps. Quand on croit qu'ils vont jouer dans un endroit, ils jouent pas dans l'autre. Ils renversent à chaque fois. À chaque fois, ils renversent. Il faut maintenir cette qualité qu'on vient d'avoir maintenant. Il faut la maintenir, d'accord. Il faut repartir là avec la volonté de marquer un deuxième. C'est dans cette période, d'accord. Allez, c'est parti. On savait que si on mettait bien du rythme, si en fait on mettait le combat physique, l'agressivité, le fait de nous tuer au second plan, si on faisait ce qu'on savait faire au niveau du jeu, ben on les passerait, puisque je sais pas, on a joué l'an dernier et tout ça, donc on avait quand même des restes au niveau du groupe, même s'il y a quelques nouveaux cette année, mais on avait des restes au niveau du groupe et on était conscient que si on mettait bien le jeu, on gagnerait. On met les coups en touche, on fait l'effort, on s'applique, on reste concentré. Et après ça va aller tout seul, on joue au rugby, putain, bordel de merde. Mais ça, il reste 2 minutes. Objectif, faut qu'on marque un essai, d'accord. C'est du bonus. Et on se met ça comme défi pour finir le match. Bien, les hommes. Bien, les gros, bien.
Bon match. Ici, c'est impressionnant. C'est une usine à champions ici. Et voir la maturité des joueurs, enfin la maturation des joueurs dans la saison, c'est exceptionnel. Alors, ça a été un point, l'ASM. Enfin, le premier match, c'est pas l'ASM, c'est le premier match de la saison. Voilà, il faut voir le dernier contre les Irlandais. Et là, je pense qu'on verra vraiment la progression qu'il y a pu y avoir, individuelle ou collective. On n'a pas habitué à ça. Non, mais je fais péter les mecs en l'air, je leur rentre un peu dans la couette. Bien, bravo. Bien, oui, à la Toulonnaise. Tu l'as gagné du pas. Salut, mec. C'est bien. 4, c'est J'ai pas de Rolex. Mon père voulait vraiment voir, il me demandait des photos quand je venais. Il a touché le haut niveau lui aussi et il a une carrière, j'espère pouvoir toucher la chose que lui. Encore une fois, former des hommes, avant de former des joueurs de rugby, c'est le plus important. Des gens qui pourront se réintégrer dans la société. C'est sûr que je préférerais m'entraîner contre le 15 que d'aller à l'école, mais c'est comme ça, c'est chiant. Ouais. Ben, c'est quand même des joueurs qu'on bat, qu'on regarde à la télé tous les week-ends quand ils jouent. De s'entraîner avec eux, c'est vraiment quelque chose de magique. Ils ont un physique aussi, faut le dire, quoi, c'est des hommes. Ils nous mettent 20 kilos au niveau muscle. Il n'y a pas mieux pour progresser et il n'y a pas mieux pour rêver aussi, parce que s'ils sont là, pourquoi pas nous un jour ?